Amertume, un ressentiment causé par le regret ou la déception. Oui, c'est la définition du petit Larousse. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous emmener dans un jeu sur lequel j'avais pas mal d'attentes, en fait, je vais avouer. Oui, les petits jeux arcade comme ça, qui envoient un petit peu du foin, ça manque. Et quand il y a quelque chose qui ressemble, qui sort, Monsieur K est toujours dans les fourrés à guetter. J'avais remarqué donc ce Gear Shifter. Et du peu de screens que j'en avais vu, je me suis dit, mon Dieu, mais ne serait-ce pas le mélange idéal entre ce bon vieux, et alors là les vieux vont se réveiller, ce bon très vieux Spy Hunter, oui j'ai bien dit Spy Hunter, en mode horizontal, qui serait mélangé avec, allez, laissez-moi rêver, un shmup. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouh, celui-là, je mets une option. Et on va voir ce qu'il a dans le ventre. Nouvelle partie, mode arcade, alors, jeu plus court, avec point de contrôle. Ok. Mode standard. Ok. Et mode un petit pitoyable. Non, pas ok. On va essayer le mode arcade, hein, parce qu'on est des grigous. Et puis quand c'est écrit arcade, forcément, c'est plus safe. Vous avez de la monnaie sur vous? Le QG des dérailleurs, Paris. Zone ouest sécurisée. 2063. Je vais vous épargner tous les blablas. Ouais, je fais pas super bien les doublages des fois. C'est l'heure de gagner ma croûte. Vous avez vu? Je fais. Non, on va éviter. Les graphismes sont vraiment très très rigolos parce que ça fait. Perso, moi je trouve que ça fait. Ça rappelle beaucoup le pixel work qu'on avait dans les années fin 80, début 90 sur les ordinateurs 16 32 bits. Et c'est assez amusant en fait. Ils auraient dû pousser le vice à faire un truc un peu plus lourez carrément. Notre guide met un point d'honneur et effectue des livraisons rapides. Donc je suis le Uber du Turfu. À la base, je ne suis pas un warrior, je ne suis pas un héros, non, je suis un simple crétin exploité. Et je vais donc faire des livraisons, mais bien entendu, sur mon parcours, si je flingue tout le monde, ce sera tellement mieux. Alors, à ce jour, à ce moment-là où j'enregistre, j'ignore si je vais passer le jeu en nouveauté le lundi ou en shmup le mercredi. Moi, je mettrai l'option 2, honnêtement. Parce qu'il a vraiment tout du shmup. On y go! Ouais, moi aussi, j'ai foi en moi, on y va. Ouais, parce que c'est. Non, le blabla, tout ça, tu sais bien. Ça, c'est moi, et je suis dans une voiture, c'est normal. Je vous avais dit que ça ressemble à Spy Hunter, mais en horizontal. Personne m'écoute. Comment ça, sa gueule? Eh, c'est fait pour, c'est le futur, c'est l'apocalypse. Ah, il arrive par derrière! Ah, alors un petit détail gênant que je viens de remarquer. Ouais, non mais gênant, mais il fait partie du gameplay, hein, va falloir que je vive avec les gars. Vous avez entendu le tch-tch-tch? En fait, c'est ma mitraillette. C'est ma mitraillette. Oui, ma mitraillette, elle chauffe. Et si je garde appuyé comme un crétin qui joue au shmup, il se trouve que... au bout d'un moment, elle va avoir un moins bon rendement. Oui, un très moins bon rendement. Un plus moins bon, quoi. Et du coup, elle va me faire l'enfer parce que... C'est vraiment Spy Hunter. Moi je rigole, je m'éclate. Mais je reviens à ma mitraillette. Oui, donc du coup, si j'appuie comme un con, je vais me retrouver avec une mitrailleuse qui tire avec une fréquence qui est très très basse. Et du coup, ça va être le bordel parce que... Voilà. Vous avez vu la cadence? C'est pas à ce rythme-là que je vais impressionner le monde. En tout cas, c'est très très rigolo parce qu'il y a une inertie dans le véhicule. Il y a cette histoire de mitraillette qui s'enraye, qui va calmer les cheveux un peu. Parce que je vous garantis qu'on a tendance à garder le bouton appuyé. Ah! Eh mais calme-toi, Maurice! Maintenant, j'aimerais bien avoir des petits bonus un petit peu marrants de temps en temps. Si c'est possible, hein, les gars, après, je vous force pas. Après, on peut en discuter. Une petite pause café, on regarde ce que l'un l'autre à dire. Hop hop hop. Ah putain le bordel.
Que dire d'autre en même temps que je joue et que j'aiguise mes réflexes sur ce jeu qui en demande beaucoup. Et un peu de parcimonie des fois quand même. Et c'est très joli, c'est vraiment très joli. Alors je comprends pas pourquoi ils ont pas choisi l'option de foutre le jeu en vertical. Ouais. Alors sur l'horizontale il y a un avantage, c'est on voit venir de très très loin les choses. Maintenant, est-ce que c'est si important que ça dans le gameplay? Probablement. Voilà, ah, ce gear shifter est très bien engagé avec moi. Choisissez un bonus. Heureusement, un plan. Alors le plan, de ce que j'ai compris, c'est ce qui vous sert à déverrouiller des améliorations pour votre véhicule. Oui, parce que quand vous jouez dans l'autre mode, qui n'est pas arcade, vous allez pouvoir améliorer et upgrade votre voiture. On va prendre ça, hein. Plop. Oui, le fameux plop. Ah, TBG, mais... Oh ! Bande 2, et... Reviens ! Faut bien que je relâche le tir quand il n'y a rien. C'est important. Hop, 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 regardez-moi, c'est... Les iziridés, là. Vas-y, 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 fais-toi plaisir. Hop, hop ! Alors, c'est pas un grand jeu... C'est certain, mais si vous aimez l'arcade et ce bon vieux feeling typique de ces jeux dans lesquels on insérait des pièces à répétition, non-stop, quasiment, ah, franchement, regardez-moi ça, c'est limite du fan service. Alors, ce qui est très très rigolo, c'est que contrairement à un shmup, on peut un petit peu incliner son tir hein, quand on bouge. Et on peut s'en servir justement pour essayer d'aligner, même qu'on est dans une zone qui n'est pas dans un axe de tir. Ces espèces d'enflures là. C'était limite ça. Allez, cette musique prenante. Musique dans la tête, sorte des tempêtes. Ah purée, non mais arrête de dire des conneries, joue. Alors je sais pas si on peut percuter les ennemis comme dans Spy Hunter. Parce que ça, c'était quand même une de ses qualités. Oui, il y avait même des ennemis qu'on pouvait n'éliminer qu'en les percutant. Alors j'aimerais bien que ce soit présent parce qu'un jeu de voiture où on se bouscule, mais, c'est l'orgasme. Je vais y aller Kalmos. Hein. Le Kalmos est l'ami de tout. Ah putain. Mitraillette de merde. Fabrication russe, ça je suis sûr. Il tire pas, ça va bien. Pousse-toi. Réparation. Oui, safety first toujours, hein, dit Monsieur K. C'est un vieux dicton. Il y a bien des bonus là. Hein. C'est too much les gars, c'est too much. Il y a un truc louche. Un boss? Non. Un quoi, je sais pas moi. Une surprise quoi en tout cas. Beaucoup beaucoup de bonus. Trop de bonus. C'est vraiment très chelou. J'aime bien. je le dis sans honte, j'aime bien. C'est... Il faudrait sortir des bornes dans lesquelles on installe des nouveautés de temps en temps qui sortent sur Steam ou sur console. Parce que ces jeux sont particulièrement adaptés à ça, quoi. Tout simplement, il n'y a rien à négocier. Ça me plaît. Non, ça me plaît, j'ai dit. Ça veut dire que la mitraillette va tirer plus longtemps à haute cadence. Ah, qu'est-ce que... Non. Non. Héloïse Pastel, t'as l'air énervé, t'as... Hop, hop. Oh. On va se calmer, 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes 30. 2 minutes 25. Ah, faut pas que je reste dans les flammes. Ça brûle. Les flammes, ça brûle. Hello, ça mouille. Ah bah ouais, on en apprend tous les jours. Et on tape. Missile. Missile. Oh là. Ah, charge. Il y a une petite faille dans le pattern, faudrait que j'en profite un peu là. Regardez-moi le l'autre con là. Va te coucher. C'est moi le boss. Non, c'est lui. Brom, 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 brom.
Putain, mais tu vas crever, toi. Ah non, 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 non. Aïe, j'ai pris feu, j'ai pris feu. Oh là là, j'ai chaud. C'est la merde, c'est la merde, les gars. Les gars, c'est la merde, il m'a coincé. C'est pas très fair play. Oh, d'où il sort, lui. Peut-être pas faire long feu, moi, les gars. Hop, 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 hop. Fais pas ça, même à des ennemis. Ouch, c'est moi qui gagne. C'est assez drôle. S'il y avait eu ça dans Spy Hunter, les gars, mais franchement, les mecs qui ont fait les jeux seraient multimilliardaires aujourd'hui. Oh là 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 là. Donc dans son genre, Gear Shifter, ça va pas révolutionner grand chose. Personne va en parler dans les magazines de jeux vidéo. Mais regardez-moi ça, est-ce que le job est fait? Moi j'ai l'impression que ouais. Fragments de données, carburateur, à quoi ça serve? Je sais pas. Gabriel Dubois, c'est bien franchouillard tous ces petits noms, c'est mignon. Je peux t'aider à améliorer la GS1. Ouais, les plans, j'ai déjà expliqué aux viewers. Oui, oui, bien sûr. Alors ça, ça manque. Je insère, s'il vous plaît. Dans Spy Hunter, il y avait un camion de ravitaillement, et c'était la classe. Parce que en plein milieu des batailles, quand on devait collisionner les voitures... Oui, collisionner. Comme le collisionneur d'Hadron. Et quand on devait percuter les voitures ennemies et se battre au milieu en leur tirant sur la gueule, tout en essayant de viser ce malheureux camion pour se faire ravitailler et avoir soit une nouvelle arme, soit récupérer de la santé, c'était super tendu du string. Merci pour l'insert, Maurice. Qu'est-ce qu'on va améliorer, nous? Parce qu'on est des gourmands. Nouveau. Alors, j'ai du cash en 1730. Ah, bah, une arme secondaire, c'est toujours mieux. Ouais, j'ai toujours dit ça. 28. Des fusils latéraux, c'est toujours bien. Mitrailleuse arrière, c'est toujours bien aussi. Mais quand il y a des attaques arrière... Ça risque d'arriver. Mais j'ai pris ça quand même. Et oui, je suis monsieur K, j'aime bien contrarier. Qu'est-ce qu'on a là? Personnalisé. Ouais, non, mais alors ça, on s'en bat les 1. Non, Keke Styles, non merci. Recharger l'arme secondaire. Ok, alors l'arme secondaire a ses munitions qui sont comptées. Attention les oeils. Réparer les dégâts. Oui, il va falloir. Ça va aller mieux. Ah bon, on est bon maintenant, on y retourne. Action. Donc on a une carte dans laquelle on va déclencher toutes les missions. Celle-là a l'air plus longue encore. J'ai des compétences également. Compétences qu'il va falloir débloquer au fur et à mesure à force de roder le jeu. Alors il y a un doute maintenant qui m'assaille. Oui, un doute avec ce guerrier du Kenya. Et ça va être la répétitivité du titre. Voir s'il est scripté comme du papier musique et si s'il ne s'adapte pas aux joueurs. Et si c'est aux joueurs justement d'aller dans le shop régulièrement pour pallier un niveau de difficulté qui serait trop haut. J'ai le doute sur cette partie du jeu. On va voir ça. Ah, les petits décors comme ça, c'est choupi. Eh oh! Ils sont agités, hein. Alors, ce qui va être rigolo, entre guillemets, hein, ils sont costauds. Ça va être de voir si la route devient sinueuse, elle aussi, pour en rajouter un peu du piment dans ce bordel. Et eux, ils tirent pas exactement en face, hein.
Envoyez des molos. Oui, c'est une technique. Il a l'air colère, lui. Ah putain, mais il a le droit de tirer devant. Eh, mais c'est des camions, la Spy Hunter. Ah, faut que j'arrête de dire des conneries, moi. Je peux monter dedans? Non. Par contre, il balance des caisses. Et d'où l'expression. Bah oui, il est largué. Alors, c'est vraiment important d'arrêter de tirer. Parce que je vous garantis que c'est la grosse déception quand votre arme commence à avoir une cadence ridicule. Alors qu'en face, ça commence à déverser bien comme il faut. J'aurais pu me lâcher un bonus quand même. Bon. Alors, les plus observateurs ont remarqué que j'ai fait une connerie quand même. Oui, on s'en fout de la compétence. J'avoue ma connerie d'abord. J'ai pas du tout utilisé l'arme secondaire. Ça veut dire que je suis plein pour le tableau suivant, mais j'aimerais bien savoir comment ça marche. 1B maintenir. Ah, ça devient particulier avec l'arme secondaire. Elle est pratique. Elle est très pratique.
Ah, ça devient tendu là. Ça avait l'air tellement bien. Trop dur pour Monsieur K. En tout cas, Gearshifter, c'est certainement pas le jeu de l'année. C'est certainement pas le shmup du siècle. C'est certainement pas le remake ultime de Spy Hunter. Mais ça reste un très bon moment pour se détendre à la pause entre midi et deux. Et puis faire un petit jeu pas trop compliqué où on progressera à chaque fois un petit peu plus loin. Et puis vous verrez bien ce qui vous arrive au final. Playlist. Playlist. Bouton d'abonnement. Et je vais refaire une petite partie en scrub.